Il y a une grotte par ici, quelque chose. Allez, re tout le monde. Il y avait une grotte. B-Boy, ouais. Mets tes chaussures, tes Nike, tes Adidas, t'es tout ce que tu veux. Oh là. Pourquoi tu me parles comme ça? Ouais, je vois que tu me respectes. Pourquoi tu me parles mal comme ça? Ouais, ça a tendance à m'énerver, tu feras attention à toi par contre. Non, mais je fais attention à toi, justement. Imagine, tu marches sur un caillou et genre tu te blesses. Comment je ferais moi? Mais imagine, je t'envoie un caillou et tu marches dessus et tu meurs. Qu'est-ce qui se passe? Bah, on est d'accord. Attends, parce que Gigi, tu fais des bails chelous. Ouais, non, mais c'est bon, je suis allé chercher l'eau en fait. Comme ça. Ah, tu vois. Putain, mais qui est con? Le mec, il a stressé l'eau. Ouais, c'est drôle ça. De l'eau. Et oh. Ah, regarde là-haut. Attends, j'y vais. On parle. Vas-y, vas-y. T'as pas un peu d'or? Non, toujours non. Pas. Ça va pas changer. Pas. Wouah. Wouah, gros. Wouah. Vas-y, viens. Wouah. Viens. Gigi, viens. Non, fake. C'est qui bala? Oui, j'arrive. Dépêche-toi, ça m'énerve. J'entends ma tête, mais merci. Ah, B-Boy. Attention. B-Boy. Attention, ma gueule. On parlera japonais après. Ok. Bon, je l'ai tué. Qu'est-ce qu'il. Nous, on a trouvé. Viens, Gigi, viens. Ah, viens. Genre, je suis derrière toi. Genre, continue tout en haut. Ok. Ce soit SJW peut-être. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il a continué. Hein, parce c'est que... un social justice warrior. Ouais, c'est lui qui a continué. Okay. Quelqu'un du faire, les gars, pour moi? Ouais, tu veux du faire? Non. Tu veux combien, mon ami? Ah, mais t'as un plastron indien, ça. Les gars, j'ai la table de craft et tout. Ah, mais B-Boy, il y a un plastron indien, je l'ai même pas vu, dis donc. Bah écoute, ça va, Eh, je fais ma petite. Ça va, Ça se fait plaisir ici, ça rigole pas, putain. T'es un malade, toi, eh. Bon, alors, écoutez. Reveal dans 8 minutes. Très très nul. L'épisode incroyable du reveal. Dans quoi? Dans combien de minutes? Ah, dans 10 minutes. Ouais, dans 10 minutes. Enfin, 7 minutes. Ouh, qu'est-ce que j'ai peur. Alors, Vas-y, je retourne là-bas ou pas pour creuser et tout? Parce que là, je fais rien. On est vas-y, va creuser, ouais, perds pas de temps, gros. Là, tu nous en fais perdre aussi, nous on va creuser ta vie. Après, là, y a rien ici, en fait. Oui, en soi, y a rien. Moi, je creuse ici, les gars, mais. Tu voulais quoi? Tu voulais du fer, Bibs? Parce que moi, je tire les comptes, je secrétaire un peu Bibs. Vas-y, Wolf. C'est sur le petit surnom mignon, ça y est. Attal. Et Wolf! Wolf? Oui. Écoute, au cas où ils disent des trucs chelous, gros, va vers eux. Si tu veux que je sois un peu ton. Ta ouais, top, ouais. En fait. Si tu meurs, on les arrache, gros. Si tu meurs, on les arrache. C'est que c'est eux. Imagine, c'est moi qui les attaque et c'est moi qui meurs. Bah, on tue aussi. Bah, t'es littéralement con. Le mec, il comprend rien. Bah, on se tue tous. Vous ne passerez pas. Non, vas-y, Wolf. Vas-y, Wolf. Va faire l'espion, vrai. Vas-y, ok. Mais je serai pas au pute quand je reviens, ok. Eh, mec. T'inquiète pas. Tu reviens. Tu me connais, Wolf, entre si, nous. Si tu connais le mot de passe, tu pourras passer. Tiens, place. C'est quoi le mot de passe? Moi, je sais pas, j'ai inventé ça pour le, bah, pour la trame scénaristique. Après, c'est moi, le loup ne gueule pas deux fois. Allez, vas-y, dégage par contre. Ok. Attends. Faut partir au bout d'un moment. Ah, pourquoi j'ai un plastron? C'est moi qui te l'ai donné, gros. C'est on va voir s'il pourra passer. T'inquiète même pas. On va leur faire les 12 travaux d'Astérix. Vas-y, faut qu'on crafte une serrure. Viens. Chut. Je fais des blagues. Mec. Je leur fais croire qu'ils pourront passer. J'ai mis des portes partout qui sont pas bien, mec. Mec, on arrache qui? Je sais pas, moi j'ai envie d'arracher tout le monde. Les deux. Les pas Wolf. Les deux. Après on se bat contre Wolf parce qu'il aura peur, je pense. Je vais arracher tout le monde. Ah! C'est la déception ce soir? Tu veux que je sois le narrateur de notre histoire? Je veux que tu sois le héros de notre histoire. Je serai le narrateur de notre histoire. Deux fiers guerriers dans une équipe qu'ils n'ont pas voulu. Ok. Ont décidé de retourner le cerveau de tout le monde. Par contre, on n'aura pas. Mais mec, t'es là? Ouais. C'est qui derrière? C'est qui? C'est Nazgûl. Ah. Fais-moi pas peur, Nazgûlitos. Non, ok. J'aime pas trop beaucoup ça. Regarde mon plan. Machiavélique. Attends, viens. Ils nous entendent. Bon, y'a plus grand chose ici, hein, je vous dis. Bah, que du fer, on a de quoi faire une enclume soon, je pense. Gigi? J'arrive à temps. Ok, je sais pas comment ça va se passer. Reveal dans 5 minutes. Récupère
vous avoue que je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Gigi est malade, il est au fond de sa vie. Je pense qu'il va en terminer rapidement. Ah non, c'est moi qui l'a fait, je lui ai dit. De quoi, qu'est-ce qu'il y a, Gigi? T'es où, Bibs? Là, je suis là, viens, je suis au bout du tunnel, ma gueule. Continue. Viens. Tiens. Continue, viens. Ah, t'as fait une enclume. Mec. Continue, creuser. Ouais, je sais. Par contre, t'as laissé la table dans le champ là-bas? Non, je l'ai. Non, elle est là-bas, je crois. Non, je l'ai. Tu l'as reprise à l'instant? Oh, je l'ai laissé là-bas. Ouais, voilà, mais mec. Tu peux y aller vite fait? Si, oui, oui. Ok. 3 minutes le reveal. Je pense que quand il va rester 2 minutes, je vais faire une grande salle au cas où il y a combat, on sait jamais. Vas-y, Ray, tu l'avais laissé. Hein. Vas-y, envoie l'enclume, moi. Attends, je vais poser. Pousse-toi, ouais, putain. Attends, attention, je vais faire une salle. Tiens. La salle des arcanes. Vas-y, pose ça là. Mec, oh, putain. J'ai pas zéro niveau, c'est le cancer. Ouais, pareil. J'entends une grotte. Oh là, et la belette. C'est que gros, je suis tranchant 3. Ah, moi non, j'ai aucun sharpness par contre, j'ai oublié de faire ça. Moi, si t'as des doutes sur quelqu'un, on tabasse. Hein. Non, mais y'a pas de doute, moi, je vais tabasser un mec. Ça va être le libre. Non, mais ça va être le libre arbitre, je m'en bats les couilles, mon gars. C'est genre. Te regarde mal. Si je vois. Je sais pas, si je vois un mec qui me regarde de manière bisextile, ça appartient. Ah bah moi tu sautes, je saute, hein, tu le sais très bien. Et je sais que t'es un frérot, je sais que tu me laisseras jamais sauter. Ah bah mec, on laisse jamais un frérot à terre. Toi-même tu sais. T'as de l'or gros, par contre? Non, vraiment zéro or. Ah j'ai des pommes, mais j'ai pas d'or. C'est la merde de ouf. Hein. Et par contre... Quoi? Attends. Ouais, par contre, ils sont. Dans 2 minutes. Ils sont Keblo parce qu'ils ont plus la table d'enchant, c'est nous qui l'avons. Les pauvres. Ils me font limite de la peine. Mais oui, mais c'est ça qui est horrible. Est-ce que les gens ont de la peine pour nous quand on nous arrache? Non. Bah, personne nous l'a fait. Non. Si. Ah, si. Avec Pierre qui nous a pris. Pierre, avec les bails, mec, ça va aussi. Hein. Non, il pas marqué con ici. Bon, gros, moi je vais creuser par là-bas, il me faut des niveaux quoi. Après, gros, tu sais, si t'es top, t'auras fait ton boulot, hein. Bien sûr, je veux dire, il y a un moment, la réalité du terrain, je veux. Moi, je le serai jamais, mais bon, si tu l'es. Mais moi, si je suis top, je ne te trahirai pas. Même si toi, tu n'es pas top, je pourrais pas faire ça. Au-delà de toutes les choses que je puisse faire, crime contre l'humanité, j'en passe. Te tuer, ce n'est pas possible. Au-delà, voilà, tous ces massacres, bien évidemment. Tous ces massacres. À la machette. Un coup d'ogive nucléaire. Te trahir par contre mec, on a les grottes les plus pauvres au monde. Non mais gros, on a rien en vrai. Moi, c'est pour ça que je tente des blagues, hein, je tente des approches, hein, je tente des histoires. Voilà. Là, c'est vrai que bon, j'ai quand même trouvé de quoi faire un plastron, mais bon, c'est pas non plus. J'entends un zombie là quelque part. Ouais, faut qu'on arrive à le trouver, gros. Mec, tu comptes aller en enfer là niveau creusation? Ouais, je vais en enfer. Bah, tu sais quoi, j'arrive. Non mais c'est parce qu'il y a plus de, on est plus en couche 11 en fait. Ouais, j'ai remarqué ma gueule. Tu l'entends par où? Je sais pas trop. Ma petite gueule. Ah putain. Oh, et on sait pas où ils sont. Oh là. Ouais, mais c'est pour ça que tout le monde se barre. Hein. Mais en vrai, nous on se connaît, donc on est des frères. Bah, tu me feras un clin d'œil si t'es. Eh, je te fais un clin d'œil. Je fais un clin d'œil devant mon PC si je suis pas top. C'est bien à 50, ouais, c'est tout de suite le reveal. Hein. Oh, t'es dans 50 minutes. Ah, t'as de l'or? Nice. Non, c'est. Oui, c'est dans 15 secondes là. Ouais, ah, du fer, génial, super, en tout cas, merci à tous. Allez, ma gueule. Oh, c'est quoi ce bruit? Il y a un bruit archi chelou, mec. Vraiment. No joke. No fucking joke. Vraiment. Ah non, je te le dis. C'est tout de suite le reveal ou pas, là, gros? Non, mais en vrai. Normalement, ça doit être même, là. On est d'accord.
moi Top Gun, entre... je vis plutôt bien. Aucun or, comme d'habitude. J'en ai ras le cul. J'ai rebouché derrière au cas où. J'ai rebouché exactement. Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que oh, on a laissé la table et tout, mec, là-bas. Non, j'ai tout pris, j'ai tout pris. Ah, t'as tout pris? Hey, ah, t'as rebouché, mais. Hey, t'es là ou t'es pas là? Ah bah oui. Eh, hey, tu me la mets pas à l'envers, hein. Tu m'as fait trop peur. Est-ce que la vie de ma mère, je t'ai dit crime contre l'humanité, mais jamais, je me lèverai jamais le petit doigt contre toi. Bon, j'ai trouvé de l'or, je suis content, j'ai une pomme d'or. C'est pas moi, j'ai rien du tout. Mais... T'as une table de craft? Putain, j'en ai marre, faut vraiment que je pense à une table. Mais gros, tu veux que je fasse une table de craft? Je t'ai donné du bois. Tu fais quoi? Tu veux qu'on aille les retrouver et qu'on tente une percée ou pas? Moi, j'ai envie d'enculer des gens. Vraiment? Genre, on y retourne, on fait ouais, les gars, bizarrement, vous êtes éloignés alors que nous, on vous a dit qu'on était là, on a la table et tout. Et vous boum, avez pas essayé... et ça part, vous et avez... ça non, part. Mais, et genre, en fait, vous avez pas essayé de nous retrouver alors qu'on a la table et tout, je trouve ça hyper suspect. Alors que vous avez pas de diam, soi-disant, c'est que ça veut dire que quelqu'un de vous a menti. J'encule un mec. Bah, tu me le dis, tu me le dis. Moi, je saute sur ce que tu sautes. Mais t'es équipé quand même? Ouais, je suis équipé, non, pas du tout. Je suis équipé, mais pas des masses là. T'es sorti couvert un peu? Ouais, sorti couvert. Petite sortie. Attends, je vais en faire des tonnes. Moi, après, écoute, j'ai fondamentalement pas le droit de te dire que je suis la taupe, si je le suis. Mais oui. Je le suis pas, donc. Voilà, exactement. Moi, je peux suivre le plan d'un frérot. Si je suis pas la taupe, ça veut dire qu'il y a forcément deux taupes parmi nous quatre. Enfin, les quatre qui restent, donc vous. Moi, si tu décides d'arracher un mec. Ben, on l'arrache ensemble. Moi, je peux te faire confiance, tu non, vois. Non, mais moi, je te fais confiance. Moi, je t'ai toujours fait confiance. Si j'ai un je frérot pourrais te confier comptait... mes enfants que je n'ai pas, mais. Quoi? Ah bah lui il s'est fait enculer d'accord, par un de ses potes. Il s'est fait pousser sans faire exprès. Ah bah gros il ira jouer de la flûte au fond du ravin. Gros tu peux poser la... Non enfin j'ai pas assez de niveaux, il nous faut des niveaux. Il faudrait trouver du... comment ça s'appelle là? Ah le... de la redstone. Redstone ouais. Ah putain j'en avais, tu me l'aurais dit, je t'aurais dit. On fait quoi, on y va maintenant? Ah j'ai pas dit GG. On va voir. Ah y'en a là ouais. Pardon, ah putain ouais mais là j'entends des zombies gros. Tu veux y ouais. aller ou pas? Bah moi j'aimerais retrouver les autres. Genre le moment je suis sûr de que Wolf, des... on peut l'emmener avec nous. On peut l'emmener avec nous. Tu crois qu'il peut nous faire confiance sur ah, ouais, après ouais. Moi j'ai déjà joué avec lui hein, c'est un stratège hein, quand même. Ouais mais attention, si je fais pas Thomas, mal de top avec lui à l'époque, la grande époque qu'on ouais. appelle. Ouais. C'est vrai que Wolf j'ai beaucoup joué avec lui à l'époque déjà, Starcraft 2. Ouais, c'était un grand stratège, il était bien connu pour ses petites magouilles. Mais je pense qu'il peut nous faire confiance. Tu penses? Moi je te suis, la tête de ma mère, moi je suis... Bah attends, je creuse un petit peu, écoute, on va voir ce qu'on ouais, peut faire. Ouais, mais tu sais que plus tu creuses, plus eux sont équipés, hein, ma gueule, hein. Bah, c'est pas faux. On est dans le plan de la relativité, quoi, je veux dire. Après, c'est vrai que je connais bien tout ce qui est gravité, etc., mais... relativité. Putain, j'étais sûr d'avoir... Mais gros, y'a rien. Tu peux poser l'enclume. Ouais. Ah, mais là, je suis usé qu'il y a rien, quoi. Ouais, mais non, c'est pareil, quoi, je suis pépé. Tiens. Merde. Attention. Bon bah si t'en veux pas... Je regarde un peu combien de niveaux il me faut pour les trucs quoi. Parce que j'en suis au point où je prends du putain de charbon pour avoir d'XP quoi, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mec... En vrai eux c'est des machines. Oui non mais ils vont nous enculer mec. Hein. Donc non mais c'est pour ça que je te dis en gros réagis vite tu vois. Ouais. Genre eux... eux deux jouent séparés donc... C'est qu'on est pas bien là. Non mais eux deux jouent séparés, on va dans un tunnel. On en termine un. Je crois qu'il y a un Enderman quelque part. Non. Ouais mais gros il y a plein de trucs là, de bruit là. Tu viens m'aider à chercher ou pas? J'arrive, deux secondes. Je le fais. Reste parmi nous. Attends, je vous refais une pioche. J'ai plus de pioche. Bon j'ai pas d'XP, c'est ça qui me fait chier. J'arrive pas à les trouver. On fait quoi gros, on y va ou pas? Vas-y. T'es sûr? Pose l'enclume que je vérifie mes XP et puis je te dis. Allez tiens, viens. Hop. T'es où? Ah t'es là. Merci mon ami. Mmh. Alors. Ouais, ça me coûterait 4. Ok. Très bien. Tu peux poser une table de craft? Ah mais moi j'ai une sharpness de merde quoi. J'ai sharpness 1 mec, hein, c'est chaud. Ah ouais. C'est archi chaud. Ouais, minimum. Parce que tout à l'heure j'ai fait. La première j'ai une knockback et la première j'ai sharpness. Sharpness 1, knockback 1. Bah t'as fait une 2 hein. T'as fait une 2 hein. Ouais. Là gros, bah, il faut de l'XP. Quoi, de l'XP là. Ouais, je prends l'XP là. Mec, ça m'énerve d'entendre les zombies, ils sont. C'est quoi ce bruit? Putain. Non, c'est mon portable.
Ah, y'a une araignée au-dessus, mec. Bah ouais, mais bon... Elle est à gauche. Tu pourrais la retrouver, toi ? Là, je l'entends, elle est par ici. C'est au-dessus. Hein. J'ai strictement rien. Ah, c'est bon, j'ai trouvé, c'est là. C'est une belle grotte ? Je sais pas, parce que j'ose pas sortir encore. J'arrive. Elle est assez ouverte, à mon avis. Ouais, j'aime bien tout ce qui est ouvert. Ah, d'accord, ok, ouais, j'ai trouvé. Elle est ouf ? Je sais pas, attends, je finis les zombies d'abord. Allô ? Ouais, c'est qui ? C'est Wolf. T'es où ? À Berco, en bas. Ok, ça se passe là ou pas ? Bah, en fait, je suis tout seul. Ils sont où les autres ? Bah, en fait, si tu veux, je les ai croisés un moment. Et genre, je me suis retourné, il y avait plus personne. Et les deux, ils sont toujours à deux. Et ils veulent nous la mettre à l'envers, tu crois ? J'ai pas l'impression. Bah, c'est chelou, hein. Bah, vas-y, retrouve-nous. Attends, je... T'es où, Gigi ? Je suis au-dessus, je suis dans la grotte, là. Ouais, je suis en train de vérifier. Par où t'es passé, ma gueule ? J'ai creusé, alors attends. Enfin, ouais. J'essaie de choper d'XP en même temps. T'es ressorti, Vas-y, viens, Wolf. Mais tu penses, Wolf ? Wolf ? Wolf ? Mais attends, Gigi gros, reviens s'il te plaît, me dire par où t'es passé, frère. Ah, pardon. Bah oui, bah, je croyais que t'avais fait. Bah non. Bah attends, t'es je où là ? Je comme un connard là ? Bah je suis là, mec, je te dis, c'est là. Là, voilà. Nickel. Wolf ? Il est où, Wolf ? Miski n'y répond plus. Wolf ? Gigi ? Quoi ? Mec, dis-moi. Comment je vous rejoins ? Ah. Viens, gros. Ouais, mais Wolf. Je sais pas où vous êtes en fait. Y'a un Enderman, je l'arrache ou pas ? Une petite grotte. Non, l'Enderman. Oh, y'en a trois ! Trois Enderman ? Ouais. Vous voyez mon pseudo ou pas ? Attends, t'es où mon ami ? Tu nous vois pas, nous ? On est tous les deux là. Non, je vois pas en fait. On est deux à côté. Attends, je te trouve. Moi, niveau bouffe, c'est un peu chaud. Je trouve pas. Mais les gars, ils sont partis où les deux là ? Alors, attends, Wolf, t'es où ? Wolf ? Attends, tu nous fais un piège là, gros, là, non ? T'es où ? Je crois qu'ils sont vers moi, mais je suis pas sûr. Viens. C'est quoi tes coordonnées pour faire que je croise vers toi ? Parce que là, je me suis bouté. On est là, nous. Ouais, mais t'es où, gros ? Dis-moi, t'es vers où ? Je suis en moins 140, moins 500 à peu près. Va en moins 11. Attends, Gigi, t'as un problème de micro, gros, ça fait des trucs chelous. Moi ? Ouais, ah là, c'est bon. Couche, ou en quoi ? Je croise vers toi. T'es en quelle couche ? Attends, je retourne voir la grotte, vous me faites stresser les gars, franchement. Attends, je vais venir vers toi gros, j'arrive Wolf. Ok. Mais je chope un peu d'XP moi, j'ai Wolf, tu me fais pas de piège hein. Non, bah moi je suis tout seul. Hein. Et d'accord. Ouais, mais ces deux là, franchement c'est eux, c'est pas possible. T'es où Wolf ? Alors, en vrai, j'en suspecte qu'un seul des deux. Enfin, il y en a un qui a l'air naturel. De qui coup, c'est qui pas. Que tu suspectes en vrai ? En fait, je sais pas, c'est la façon de parler de Nabo, ça m'a paru bizarre au début. Tu sais, parce qu'en fait, genre, je les ai retrouvés genre une minute après les taupes. Ouais. Et genre, enfin, j'ai l'impression qu'il souriait presque, tu vois. C'est bizarre. Qu'il se voyait ? Non, qu'il souriait. Tu sais, quand tu parles et que tu souris, ouais, des fois ça se ressent. Ouais, ça se ressent dans la voix. Tu veux qu'on l'arrache ? Non. Fait peur, c'est mec, j'ai pas encore cette preuve. Et alors ? Bah, et alors, c'est comme si un mec. Voir, ça se trouve, il est avec nous, mais on sait pas en fait. Wolf, on s'en bat les couilles. Mais non, on s'en bat pas les couilles, mec. Mais mec, c'est Top Gun, c'est le but ! Non, mais, enfin. Je veux dire, il est un petit peu suspect, t'as vu, mais. C'est pas une raison d'arracher tout le monde, je pense pas. Bah si. Ouais, toi t'as pas joué aux autres Top Gun, toi. Ouais. Non mais imagine c'est pas lui et qu'on l'arrache, tu vois. Et alors ? On aura une pomme en or, ma gueule. Bah ouais, mais on perd un teammate. Ouais, mais c'est les mecs, c'est trop louche. Ils doivent être full diams. Vas-y, on retourne dans la grotte, y'avait rien, non ? Non, je crois qu'ils étaient pas full diams. Par contre, Nazgo, il était Nazgo, oh, quand il parlait, il faisait naturel. Enfin, t'as vu, il faisait pas. Quelqu'un du bois pour moi, les gars, parce que je suis en chien là. Ouais, j'en ai. Par contre, j'ai mouché 2 secondes. Vas-y, en fait, c'est trop bizarre parce que tu sais, je suis au milieu des deux groupes un peu. Genre, t'as vu, j'alterne un peu entre les deux groupes. Ouais. Bah, le problème, c'est qu'on les connaît pas trop et ils ont pas voulu se mélanger vraiment à nous. Hey, je leur disais à chaque fois, venez, on est là et tout, tu vois. Et ils ont fait leur petit bail. Vas-y, tu peux poser une. Ok, ouais. Putain, JPP. Attends, par contre, j'ai pas de. Ah, c'est la fin.